Bonsoir, nous sommes déjà rendus au cinquième jour. Alors, on va sentir le levain, on va le brasser, l'examiner. On va surtout le nourrir, donc lui donner de la farine et Vous de voyez la l'eau. On va le consistance. rafraîchir. Donc, on peut comprendre qu'il y a de l'activité. Ça fait quand même 24 heures, donc il y a quand même encore beaucoup d'activité. Mais je soupçonne qu'il va sentir encore mauvais. Il commence à sentir mieux. Il commence vraiment à sentir mieux. Donc, je suis vraiment agréablement surpris. On va le brasser. Oui, il commence à avoir la louche 35 sur 10. sustante plus 30 divisé en 2, donc environ une cinquantaine de grammes qu'on enlève. Ça se peut que demain, il n'y ait plus aucune activité en passant l'eau. L'important, ce n'est pas. Il faut vraiment faire les 14 jours. Donc ça, on met ça au compostage immédiatement. Ceux qui n'ont pas le compostage, donc c'est aux toilettes. C'est aux poubelles. Donc, là, on va mettre 30 grammes de nouveau. Grammes d'eau. On va brasser. J'ai pas la même spatule qu'hier et ça me désole un peu, je préfère l'autre. Les coins arrondis, c'est plus facile un peu. Il est assez mousseux, je suis vraiment surpris. Et on va mettre 30 grammes. 30 grammes de farine. On brasse de nouveau pour bien intégrer toute la farine. On racle les parois. Donc, il faut que ça soit sans grumeaux le plus possible. Et en faisant ça, de toute façon, on donne beaucoup, beaucoup d'oxygène. La pâte a du corps, c'est très beau. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Tous les jours jusqu'au 11e jour. Au 11e jour, on va faire un pain avec le levain. Donc, voilà. Alors, on se revoit demain.